بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد فقد قال جل وعلا في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم إخواني وزملائي ورفقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شئت جملة جملة حتى لا يضيع Alhamdulillah, wa salatu wa salam rasulullah, wa nallah atiga wa na'amama. Le cheikh, il a récité le verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ô vous les gens, nous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, nous nous avons fait de tribus différents et de pays différents pour que vous vous rencontriez et vous connaissiez. Les plus pieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi vous, ce sont ceux qui le craignent le plus. Allah subhanahu wa ta'ala, il est savant et il est informé de toutes choses. » Après, il vous a passé le salam à mes très chers frères, à mes bien-aimés en Allah subhanahu wa ta'ala. هذا يوم مبارك وهذه اللحظات أبرك من اليوم كله. C'est un jour béni et ça c'est une heure dans laquelle on est qui a encore plus de bénédiction que la journée en entière. من أواخر الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت على رسول الله يوم الجمعة الذي وافق يوم عرفة بعد العصر قبل الغروب. الله أكبر. Il a dit parmi les derniers versets qui sont descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété pour vous mes bienfaits et j'ai accepté l'islam pour vous comme religion. Ce verset, c'est parmi les derniers versets qui est descendu. Il est descendu le jour du Jumu'a, un vendredi, et c'était aussi le jour de Arafa, et c'est après la prière de l'Asr, juste avant le coucher du soleil. فجاء أحد من الكفار إلى عمر وقال لقد نزل في كتابكم آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. Il y a un juif qui est venu voir Omar رضي الله عنه et lui a dit si il a dit dans votre livre il y a un verset qui est descendu, si ce verset il était descendu sur nous on aurait pris le jour où c'est descendu comme une fête. وما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إلا 80 يوما. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté vivant après la descente de ces versets que 8 jours. Falhamdulillah, jama'ana Allah fi hadhihi al-lahdhat al-mubarakah linatakallam 'an amrin muhim. Et Allah subhanahu wa ta'ala le remercie qui nous a réunis dans ce moment béni pour parler d'une affaire très importante. Uridu insha Allah fi hadha al-majlis al-mubarak atakallam من الأمور التي دعانا إليه الإسلام ألا وهو الصلح بيننا. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a permis, il dit que Allah سبحانه وتعالى nous a permis dans ce moment-là, de quoi est-ce que je veux parler? Je veux parler de le صلح, c'est la réconciliation et l'amitié entre nous. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Allah سبحانه وتعالى ne regarde pas vos corps ni vos images, mais ce qu'il regarde c'est vos cœurs et vos bonnes actions. في الدنيا كل واحد ينظر إلى الحسن وينظر إلى الثروة وينظر إلى المال وبهذا يعتبر الإنسان الإنسانة. Alors dans les choses matérielles, les gens ils regardent l'apparence, ils regardent la force, ils regardent la richesse et à travers cela ils vont dire que tel homme il est comme ça ou comme ceci. يقول الشاعر لا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. الله أكبر. Et le poète il dit que ne laisse pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour t'appuyer sur tes ancêtres et ta lignée familiale. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé Salman alors que c'était un Perse. Et Allah, il a rabaissé les mushrikines de Quraysh malgré que c'était des gens qui avaient une famille, ça veut dire très, très importante. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو العرب هو السيد هو قريش من عائلة الرسول صلى الله عليه وسلم وسماه العرب أبو لهب لأن في خديه حمرة والعرب كانوا يحبون هذا
وهذا يدل على الحسن والجمال. فقال أبا لهب أي شعلة في خديه، أي دليل على حسنه. Alors Abu Lahab, c'était un arabe, c'était un ancêtre du prophète, c'est les ancêtres des arabes, c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était très connu et très respecté, et on l'a appelé Abu Lahab parce que il avait, ça veut dire, sur ses joues un peu de rose, un peu de rougeur, et chez les arabes c'était quelque chose qui était très aimé, ça veut dire qu'il avait une grande beauté. Mashhour, il était connu. Fil wudd wal mahabba كل احد ينظر عينيه يعني عينيه ونظره تختلف من نظر الاخر. الله اكبر، اعيدها. يعني نظر كل واحد تختلف من نظر الاخر. الله اكبر. Il dit avec l'amour, avec la cause de l'amour, la vision de chaque personne elle est différente. فالعرب سمى ابا لهب ابو لهب لجماله ولكماله ولحسنه، فابقى الله هذا الاسم في القران ولكن نسبه الى النار. Les Arabes l'ont appelé Abu Lahab, qui veut dire le père de la flamme, à cause de cette beauté et de cette excellence qu'il avait. Mais Allah il a gardé le même nom, Abu Lahab, le père des flammes, mais pas pour sa beauté, mais au contraire pour le c'est-à-dire pour le blâmer du mal qu'il a fait. فالاسم باق وغير وجه التسميه. Il dit le nom il est resté mais la signification elle a changé. لهب لهب شعلة من شعل النار إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. Il dit لهب c'est les flammes. Les flammes, c'est-à-dire une petite flamme qui est sortie. Allah, en parlant des flammes de l'enfer, il dit, elles ont des étincelles qui sont plus grosses et plus grandes que des châteaux. Quatre oncles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont arrivés à l'époque où il y avait l'islam. Deux parmi eux sont entrés dans l'islam. Deux parmi eux, ils ont refusé l'islam. Parmi les deux qui ne sont pas rentrés dans l'islam, un d'entre eux, il était d'accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas rentré dans l'islam. Et le deuxième, il n'était pas d'accord avec lui. Les deux qui sont rentrés dans l'islam, Abbas radiyallahu anhu, Abbas radiyallahu anhu, wa Hamza radiyallahu anhuma, et Hamza radiyallahu anhuma, walladhaini lam yuslima, et les deux qui ne sont pas rentrés dans l'islam, Abu Talib wa Abu Lahab, Abu Talib et Abu Lahab. أما أبو طالب، selon Abu Talib, lui, فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. وافق النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله. Et à cause de cette entente qu'il y avait avec le prophète صلى الله عليه وسلم a dit oh mon oncle, dis cette parole, avec cette parole je vais parler pour toi au jour du jugement. ولقد عرف في قلبه وفي فؤاده أن دين محمد حقا. Et il savait dans son cœur et dans son intérieur que la religion de Mohammed صلى الله عليه وسلم elle est vraie. ولكن الإسلام ليس فقط بالمعرفة ولكن بالنطق والمعرفة. L'islam ce n'est pas seulement de savoir mais c'est de prononcer avec la science que tu as eue. فرعون هو جحد نبوة موسى ولكن في قلبه يقين. فقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فرعون il a lutté contre la prophétie de Moussa alayhi salatu wassalam en sachant avec certitude dans son cœur que c'était la vérité. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ils ont disputé avec Moussa alors que dans leur cœur ils étaient sûrs que c'était la vérité, c'était une injustice et c'était parce qu'ils avaient trop d'orgueil. فإذا رغبت أحد إلى الخير ويقول أنا أعرف الخير أنا أعرف الصواب هذا لا يكفي هذا لا يكفي علينا أن نعمل بما نعمل بما نعلم. Quand tu motives une personne vers le bien et qu'il te dit moi je sais déjà ça ne suffit pas il faut qu'on mette en pratique ce qu'on sait. ماذا قال أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا ولكن سوف أموت على ملة أشياخي وآبائي. الله أكبر. أبو طالب il disait
Il dit, je sais très bien que la religion de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure religion chez les êtres humains. Mais si ce n'était pas parce que j'avais peur que les gens ils me blâment et que les gens ils disent du mal de moi, je serais rentré dedans. Mais je préfère rester dans la religion de mes ancêtres et de mes parents. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه عن اليهود عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. الله سبحانه وتعالى dit dans le Coran parlant des Juifs, ils reconnaissent le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم encore plus qu'ils reconnaissent leurs enfants. وأنت تعرف يا أخي في الله العرفان من الأب إلى الولد أعظم وأكبر من العرفان من الولد إلى الأب. Allah. فالأب يعرف ولده أشد من الولد يعرف الأب. Il dit, tu sais très bien mon frère que l'enfant il connaît son père, mais que le père il connaît l'enfant plus que l'enfant il ne connaît lui-même. لماذا? Pourquoi? لسببين. Par deux causes. أول. La première. الوالد يعرف ولده منذ ولادته. Le père il connaît l'enfant depuis qu'il est né. ولكن الولد لا يعرف هذا أباه لما ولد. Mais le fils il ne connaît pas que ça c'est mon père quand il est venu au monde. ولما صار يكبر. Et quand il a grandi. كل واحد يعرف نفسه أمام الطفل. Alors chaque personne maintenant il se présente à l'enfant. فتقول الأم يا بني أنا أمك. Et la mère elle dit oh mon fils je suis ta mère. ويقول الأب يا بني اعرفني أنا أبوك. Et le père il dit oh mon fils connais-moi parce que je suis ton père. ويقول الجد أنا جدك. Et le grand-père il dit moi je suis ton grand-père. ويقول العم أنا عمك. Et l'oncle il dit moi je suis ton oncle. ولكن الأب عرف ولده منذ ولادته. Mais le père il connaissait son fils depuis qu'il est né. فكر في تعبير القرآن. Il a dit, regarde comment Allah il a mis ça dans le Coran. Ils connaissent Mohammed comme ils connaissent leurs enfants. La personne, jamais elle a un doute que c'est son enfant. Et la deuxième des causes, le père, il a vu son fils entier de la tête aux pieds. لأنه لما كان صغيرا parce que quand il était petit, ما كان أي شيء مستورا il avait rien de caché l'enfant. فالوالد alors, يعرف ولده أشد العرفان. Alors le père il connaît son fils encore mieux. ولكن الولد ما رأى أباه كاملا. Mais le fils n'a pas vu son père en entier. الله أكبر. الله أكبر. لقد أعطانا الله كتابا كاملا. Allah nous a donné un livre complet. لقد أرشدنا الله إلى الدين. Il nous a guidé vers la religion. دينا كاملا واضحا بينا مبينا. Une religion claire, simple et clarifiée. تأتي في قلبي آية آخر حتى أبين على نفس الترتيب. Il dit, il y a un autre verset qui est venu dans mon cœur pour que j'explique la même chose, la même façon. يبين الله تعالى عن حق القرآن. Allah سبحانه وتعالى parle de la vérité du Coran. فماذا قال؟ Qu'est-ce qu'il dit؟ وإنه et ce Coran est لحق مثل ما أنكم تنطقون. Aussi vrai que le fait que vous-même vous parlez. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Par le Seigneur des cieux et de la terre, il est aussi vrai que le fait que vous parliez. يعني حلف بالسماء والأرض. Il a juré par le ciel et la terre. إنه لحق. Il est vrai ce Coran. إن القرآن لحق. Le Coran il est vrai. إن القيامة لحق. Le jour du jugement il est vrai. وكيف هذا الحق؟ Et comment il est cette vérité؟ مثل ما أنكم تنطقون. Comme le fait que vous parliez. فكر. Alors pense. ماذا قال المفسرون؟ Réfléchis. الإنسان يشك فيما ينظر. Ce qui explique le Coran, ils disent, l'être humain, il a le doute sur ce qu'il voit. تارة أنا أرى شيئا وأشك هل هو ما أظن أم غيره. Des fois, je regarde une chose et je le doute. Est-ce que c'est vraiment comme je vois ou c'est autre chose? هل هذا إبراهيم أو إسماعيل؟ Est-ce que c'est Ibrahim ou Ismaïl? ثم لما يتقارب أنا عارف هو إبراهيم ليس بإسماعيل. Et quand ils se rapprochent, je dis ah c'est Ibrahim, ce n'est pas Ismaïl. فالإمكان Alors c'est possible d'avoir le doute sur ce qu'on voit. Des fois j'écoute aussi. Et j'ai des doutes si est-ce que j'ai entendu ou est-ce que j'ai mal entendu. J'ai dit taisez-vous jusqu'à que j'entende. Ah il n'y a rien. Je croyais avoir entendu quelque chose. Il dit mais est-ce que quelqu'un il a le doute, est-ce que j'ai parlé ou est-ce que j'ai pas parlé? أبدا. Non. يمكن أنا أرى أو لا أرى. أنا أسمع أو لا أسمع.
انا اتكلم او لا اتكلم لا كيف سي possible est-ce que j'ai vu est-ce que j'ai pas vu est-ce que j'ai entendu est-ce que j'ai pas entendu mais est-ce que je suis en train de parler ou pas c'est pas possible اذا تكلمت تيقنت انني متكلم quand je parle j'ai la certitude que je suis en train de parler كما انك تيقنت انك تتكلم هكذا تيقن ان القران حق comme tu as la certitude que tu es en train de parler et la certitude que le Coran il est la vérité فورب السماء والارض انه لحق Par le Seigneur des cieux et de la terre, ce livre-là, il est vrai. Hayatul Islam, Hayatul Nour. La vie de l'islam, c'est une vie de lumière. Hayatul Rashad wal Khair. C'est la vie de la guidance et du bien. أبين لكم مثالا آخر من القرآن. Je vous donne un autre exemple du Coran. مع الأسف الشديد. Et dit malheureusement. تباعدنا عن القرآن. On est très loin du Coran. وما باكينا. On n'a pas pleuré pour le Coran. وما تأسفنا. On n'a pas été triste pour le Coran. لو فات منا شيء من فوائد الدنيا نبكي. Et d'ici une chose des bienfaits de ce bas monde nous échappe, on pleure. ولقد مضت حياتنا. Et notre vie elle est passée. وما حصلنا من المصحف شيئا. On n'a pas obtenu du Coran que peu. وما تأسفنا على فراسه. Et on n'a pas, ça veut dire, été triste d'être loin du Coran. الرجل في عهد عمر رضي الله عنه أسلم. À l'époque de Omar, il est rentré dans l'islam. وبدأ يكبر. Et il a commencé à être grand. فقال له عمر لماذا تكبر؟ إلى كم سأدير الله أكبر الله أكبر وما ولدي بقى تدير الله أكبر. فقال وجدت آية في القرآن. J'ai trouvé un verset dans le Coran. Il a dit. جميع الكتب المنزلة قبل القرآن موجودة في هذه الآية. Tous les livres qui sont descendus avant le Coran, qui sont descendus de la part d'Allah avant le Coran, ils sont présents dans ce verset là. فقال عمر وأن لك هذه الآية. عمر l'a dit. C'est quoi ce verset là? قال ومن يتق الله et celui qui craint Allah. ومن يخشى الله ويتقي celui qui craint Allah et qui a peur d'Allah. فأولئك هم الفائزون et ce sont ceux-là qui ont réussi. الذي عنده اعتبار وتدبر هو يفهم ما كتم في هذه الآية من الأسرار celui qui a la manière de réfléchir et de penser et de comprendre il connaît les secrets qu'il y a dans ce verset là. أسمعي الأسمعي كان رجل من كبار النحويين. C'était un grand, ça veut dire quelqu'un qui maîtrisait la langue arabe et le grammaire. هو يقول. Il disait. كنت أطوف بالليلة. J'ai marché dans la nuit. فوجدت امرأة تنشد أنشادا. J'ai entendu une femme en train de faire des poésies. وهي كانت تستغفر ربها. Et elle demandait pardon à Allah سبحانه وتعالى. ولكن بصوتها الجميل. Mais avec sa belle voix, elle faisait. فهي كنت تتوب et elle a demandé pardon à Allah وكنت أعجبني صوتها et moi je m'étonnais de sa voix فهي تتوب وأنا أعصي elle demandait pardon et moi j'étais en train de faire un péché en écoutant sa voix أستغفر الله لذنبي كله je demande pardon à Allah سبحانه وتعالى pour tous mes péchés قبلت إنسانا بغير حله j'ai embrassé un homme sans que ce soit permis مثل الغزال ناعما في دله وانتصف الليل ولم أصلي كانت تنشد أنشاد فأنا لما سمعت هذا أنا قاتلك الله يا فتاة ما أفصحك Il a dit qu'Allah il te fasse mourir. Comment ça se fait que tes paroles sont si belles? Après, elle a répondu. أوتعد هذا فصاحة؟ Elle a dit, toi tu penses que ça c'est des belles paroles? بعد قول الله تعالى. Après la parole d'Allah سبحانه وتعالى dans le Coran. لأبين أمامكم آية واحدة فقط. دي un seul verset dans le Coran. يعني تقول الفتاة للإسماعي للإسماعي. La jeune fille elle a dit la parole du verset d'Allah elle est meilleure encore que tout ce que j'ai pu dire. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Allah سبحانه وتعالى dit dans ce verset et nous avons révélé à la mère de Moussa de lui donner le lait, de lui donner le sein. Et si tu as peur pour lui, jette-le dans le Nil et n'aie pas peur et ne sois pas triste. Nous allons la ramener à toi. جمعت هذه الآية على وجازتها بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. الله أكبر. Et dit dans ce verset là se trouvent deux ordres, deux interdictions et deux bonnes nouvelles. أمرين وبشارتين. أمرين نهيين خبرين بشارتين. Deux ordres, deux interdictions, deux informations et deux bonnes nouvelles.
فكيف تتعجب على شعري وأمامك القرآن؟ Comment est-ce que tu peux t'étonner des poèmes que je fais alors que tu as le Coran ou Asma'i? يا أيها المسلم. Oh toi le croyant. إني أخاطبك وأخاطب نفسي. Je t'adresse la parole et je m'adresse à moi-même la parole. إني أنبه نفسي وأنبهك. Je t'informe et je m'informe moi-même. الآن ضيعنا أوقاتنا. Maintenant on a perdu notre temps. نرى الحرام. On voit l'interdit. ونرتكب المعاصي. Et on fait les péchés. تلذذنا بكل شيء ما سوى القرآن. On a profité, on a eu le goût dans chaque chose sauf le Coran. يقول سيدنا عثمان لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا. عثمان رضي الله عنه dit si nos cœurs étaient purs, on serait pas lassé et fatigué des paroles de notre Seigneur. الإنسان لا يتعب ولا يسأم من اللعب ولكن لو قرأ قليل من القرآن تعب وسئم. Il dit la personne, elle ne se fatigue pas, elle ne se lasse pas de jouer et de ses passions, de ses envies. Mais si elle lit un peu du Coran, elle est fatiguée et elle en a marre. Il dit dans notre religion, il y a du bien. Dans notre religion, il y a la lumière. يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا عن الذي افتقد هذا النور. Allah سبحانه وتعالى, il dit à ceux qui ont perdu cette lumière. ما هو الحال؟ C'est quoi leur situation? نسأل الله الحفاظ والأمان من أهل النار. Qu'Allah nous préserve d'être parmi les gens de l'enfer. حال الذي نسي ربه. C'est la situation de celui qui a oublié son Seigneur. أو كظلمات. Allah dit comme des ténèbres. ما قال ظلمة أو كظلمات. Il dit pas comme une ténèbre, mais des ténèbres. في بحر اللجي أي في بحر عميق. Il dit dans une des ténèbres, dans un océan profond. فكر إذا كان الليل. Pense quand c'est la nuit. وكان فيه غيم والسحاب. Et qu'il y a des nuages et on peut pas bien voir. وهذا الرجل في قعر البحر. Et que cette personne là, elle est au milieu de l'océan. وفوقه سحاب. Et au-dessus de lui, il y a des nuages. ويقول الله فوق وفوقه موج وفوق ذلك الموج موج آخر. Et au-dessus de cette personne là, il y a des vagues. Au-dessus des vagues, il y a d'autres vagues. هذا ليس مني ومن قلبي ومن جيبي هذا من القرآن. Il dit ça vient pas de moi ni de mes poches, ça vient du Coran. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. الله أكبر. Une personne qui est dans l'eau, dans l'océan, dans la nuit, au-dessus de lui il y a des nuages, il y a des vagues, au-dessus des vagues il y a d'autres vagues, au-dessus de ces vagues il y a des nuages. Allah dit c'est des ténèbres sous des ténèbres sur des ténèbres pour celui qui a perdu la lumière de l'islam. ما هي نهاية الظلمة؟ Il dit c'est quoi la fin de ces ténèbres là? إذا أخرج يده لم يكد يراها. S'il sort sa main, il ne peut même pas ou à peine la voir. فكر أيضا الآن أنا أدعوك إلى تعبير القرآن. Il dit pense maintenant parce que je t'invite à réfléchir sur le Coran. لأرغبك إلى كلام الله. Pour te motiver vers les paroles d'Allah. ولأقربك إلى رسالات الله. Et pour que tu te rapproches vers le message d'Allah سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما قال إذا أخرج رجله. Allah il a pas dit quand il sort son pied. إذا أخرج يده. Mais quand il sort sa main. يقول المفسرون. Les gens qui expliquent le Coran, ils disent. أن اليد. La main. عضو من الأعضاء. C'est un organe parmi les organes. الذي يمكن. Avec cet organe, c'est possible. يقربه الإنسان إلى عينيه. Que l'homme il peut ramener ça vers son œil facilement. لا يمكن لك أن تقرب رجلك إلى وجهك. Il dit c'est. إلا بس لا يمكن أن تقرب الرجل إلى الوجه إلا بالصعوبة. Il a dit c'est difficile de rapprocher ses pieds vers son visage sauf avec difficulté. وأما إظهار اليد فبالسهولة. Mais la main c'est facile. يقول الله هذا الرجل في قعر البئر إذا أخرج يده ما قال لم يراها لم يكد يراها. Et Allah سبحانه وتعالى il parle de cet homme qui est dans l'océan. Il a dit s'il sort sa main, c'est pas il ne la voit pas, mais il a du mal à la voir. أهل اللغة يقولون كاد يكاد من الحروف المقاربة. نعم. Ils disent les gens qui maîtrisent la langue arabe disent que يكاد c'est-à-dire il n'arrive pas, c'est proche, il n'arrive pas presque. لم يكد يراها. Presque il n'arrive pas à la voir. فكيف يختم الله قصته؟ Et comment Allah termine cette histoire là? ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Et Allah il termine en disant celui que Allah il ne lui a pas donné de lumière, il n'aura aucune lumière.
إذا أعمى الله بصر الإنسان فلا أحد يبصره. Si Allah il a rendu aveugle les yeux d'un être humain, personne ne peut lui rendre la vue. فالناس في الدنيا لهم عيون خضراء. Il y a des gens dans ce bas monde là, ils ont des yeux verts. بالبصارة ينظرون جيدا. Avec les yeux, ils voient bien. ولكن بالبصيرة لا ينظرون شيئا. Avec les yeux du cœur, ils ne voient rien du tout. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Et Allah dit, mais certainement, c'est pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est les yeux du cœur qui sont fermés, qui sont aveugles, qui ne voient pas. إن في طاعة الله لحياة. Il dit, en obéissant à Allah, il y a une bonne vie. يقول الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي كالله يفاس ميزيكورد il dit هو يقول لما أنا أسهر بالليالي il dit quand je passe les nuits à prier وأتعلم الدين et que j'apprends la religion أنا أتلذذ بالتعلم بالدين il dit j'ai le goût d'apprendre la religion كما أن الرجل يأكل شيئا ويتلذذ أو ينظر شيئا ويتلذذ يقول الشافعي رحمه الله وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي الله أكبر يعني المرأة نعم تلعب بدفها نعم وتسمع صوتها والشباب يتمايلون بذلك نعم وأنا أنظف الأوراق من كتبي وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي الله أكبر la personne elle mange quelque chose, elle a le goût, ou quand elle voit quelque chose, elle a un goût. Il dit l'imam Shafi'i, le fait d'apprendre la religion et aussi le fait, ça veut dire d'entretenir mes livres de religion, ça a plus de goût pour moi que les personnes qui écoutent la fille qui est en train de chanter ou en train de taper le tambour. Ça, moi, pour moi, il y a plus de goût dans le fait de m'occuper hein, des livres de la religion. وتمايلي طربا بحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي يعني الذي يسقي الخمر وبعد ذلك أن يكون سكران يتمايل ويتجول ولكن بعد أن علمت فصلا من فصول الدين وتعلمت سورة من سور الدين أنا أتمايل وفرحي وسروري أشد من فرحهما Celui qui on a servi l'alcool et qui a bu jusqu'à être ivre et qu'après il déambule, il vague de droite à gauche, il dit « Quand moi j'ai terminé d'apprendre un chapitre de la religion ou d'apprendre une sourate du Coran, je suis encore plus content que cet homme-là qui est ivre et je suis encore, ça veut dire, je suis encore plus heureux dans mes gestes que cet homme qui est ivre. » الآن ذقنا كل شيء إلا حلاوة الدين. Il dit aujourd'hui on a goûté toute chose sauf la douceur de la religion. كما يعرف الشاب إذا هو تدور عينيه إلى الحرام يتلذذ بهذا الحرام والله لو هو يذوق في الحقيقة حلاوة غض البصر لما دار نظره إلى الحرام. الله أكبر. Il dit comme la personne elle se dit que quand il va tourner ses yeux vers le haram, l'interdit, et qu'il va voir, ça va lui faire plaisir. Wallahi, s'il avait patienté en baissant les yeux et en faisant l'effort de baisser les yeux, il aurait obtenu un goût qui est largement meilleur que d'avoir regardé le haram. وأبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي يعني أبيت ساهرا وأبيت متعلما وتبيت نائما وصباحا تقول لي يا أيها الشافعي أدع لي حتى أكون معك في الجنة كيف هذا كيف هذا الشافعي il dit je fatigue mes nuits à prier à lire et à me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et toi tu passes tes nuits à dormir et le matin tu viens me voir tu dis oh Shafi'i demande qu'Allah me fasse avec toi dans le paradis il a dit comment tu veux que ça vienne إن في قل والله أكبر الله أكبر إن في الجنة لشجرة من أعلاها حلل ومن أسفلها خيل الله أكبر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها حلل اللباس ومن أسفلها خيل يركبها أهل الجنة نعم يدي dans le paradis il y a ça veut dire des arbres où au-dessus de ces arbres là il y a des ensembles de vêtements et en dessous de ces arbres là il y a des chevaux qui sont prêts à être montés فيقول الذين أسفل منهم درجة يا رب بما بلغ عبادك هذه الكرامة كلها
Alors ceux qui sont plus bas que eux en niveau, ils disent: oh Allah, comment tes serviteurs ils ont obtenu tout ce bien là? Allah il dit: ils priaient pendant que vous vous dormez. Ils mangeaient pendant que vous, ils jeûnaient pendant que vous vous mangez. Ils étaient en train de dépenser pendant que vous vous étiez en train de rassembler. النبي صلى الله عليه وسلم لما يبين أحوال الجنة أمام الصحابة كانوا يشتاقون مباشرة. الله أكبر. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم il décrivait le paradis devant les compagnons رضي الله عنهم, ils étaient prêts à y rentrer directement. كان الصحابة يريدون الجنة فقط. Les sahaba رضي الله عنهم ils voulaient seulement le paradis. ونريد الجنة أيضا. Et nous aussi, on veut le paradis. On a une différence entre eux. Est-ce que vous avez compris? Si la femme, elle dit: ça, c'est mon mari aussi. Là, on n'accepte pas. Eux, ils voulaient que le paradis. Il dit: les sahaba, ils voulaient que le paradis. Et nous, on veut le paradis aussi, avec d'autres choses. Il y a dans le paradis des chambres. يرى ظهورها من بطونها. الله أكبر. On voit de l'extérieur l'intérieur. وبطونها من ظهورها. Et de l'intérieur on voit l'extérieur. لمن هي يا رسول الله. Elles sont pour qui, ô messager d'Allah? لمن أطاب الكلام. Et pour celui qui aura amélioré ses paroles. وأطعم الطعام. Et qui aura donné à manger. وأدام الصيام. Et qui aura fait beaucoup de jeûne. وصلى بالليل والناس نيام. Il a prié la nuit pendant que les gens y dorment. أربع أشياء. Quatre choses. أبين سهل تسمع سهل ولكن العمل صعب. Il dit: j'explique, c'est facile. Tu écoutes, c'est facile. Le mettre en pratique, c'est autre chose. تعرف أن يكون أحد مسلم سهل. Il dit: pour أن يكون. أن يكون. Pour que quelqu'un الكافر يكون مسلم سهل. Pour qu'un non-musulman rentre dans l'islam, c'est facile. ولكن أن يبقى مسلم صعب. Pour qu'il reste musulman, ça c'est difficile. أن يتزوج أحد سهل. Pour qu'une personne se marie, c'est facile. ولكن أن يبقى متزوج صعب. Pour qu'il reste marié, ça c'est difficile. صحيح؟ C'est vrai ou faux? أنا 20 سنة متزوج ليس بسهل. Il dit: ça fait 20 ans que je suis marié et c'est toujours pas facile. تريد أن تتزوج الآن في لحظة واحد تتزوج. Il dit: tu veux te marier maintenant là, en quelques instants tu peux te marier. تبقى متزوج صعب جدا. Il dit: maintenant rester marié c'est très difficile. أحد يريد أن يسلم. Une personne veut rentrer dans l'islam, c'est très facile. Mais qu'il reste musulman. C'est ça qui est la question. Ya Rasul Allah, idhni maw'idha. Ya Rasul Allah, donne-moi un conseil. فماذا أجاب الرسول؟ Qu'est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a répondu? قل آمنت بالله. Dis: je crois en Allah subhanahu wa ta'ala. ثم استقم. Maintenant reste constant. لأن الاستقامة على ما تطلبه الإيمان صعب. Il dit: parce que maintenant la constance dans ce que la foi elle demande, c'est difficile. قال الصحابة. Les sahaba ils ont dit. للنبي صلى الله عليه وسلم. Au prophète صلى الله عليه وسلم. أراك شبت يا رسول الله. يا رسول الله, on voit que tu as vieilli. ولقد كتبت في كتب السير كم من لحيته صلى الله عليه وسلم كانت بيضاء. Il dit: et il est écrit dans les livres de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم combien de poils de sa barbe ils étaient blancs. لا يوجد أحد في التاريخ. Il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité entière. سجل حياته. Que sa vie elle a été enregistrée, écrite. كتسجيل حبيبنا صلى الله عليه وسلم. Comme la vie du prophète de notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. يعني كان عرق على جبينته المباركة. Il y avait une veine, ça veut dire sur son front béni. لما كان يغضب صلى الله عليه وسلم. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم il s'énervait. كان ينتفخ هذا العرق. Cette veine là elle se gonflait. كل شيء مكتوب ومسجل من حياته صلى الله عليه وسلم من الولادة إلى الموت. Toute sa vie elle est écrite et enregistrée de sa naissance jusqu'à sa mort. أنا تذكرت شيئا قبل أن أتكلم عن الشيء الذي أردت أن أتكلم. Il dit: je me suis rappelé d'une chose dont je vais parler avant que je rentre dans le sujet que je voulais. تقول حليمة السعدية رضي الله عنها. حليمة السعدية elle dit رضي الله عنها. وهي التي.
Et c'est elle qui a été honorée. Elle a été honorée. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidée. أن ترضي النبي صلى الله عليه وسلم. D'être la nourrice qui a donné le lait et le sein à Nabi صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد شرف فوق هذا الشرف. Il n'y a pas d'honneur au-dessus de cet honneur. ولا توجد سعادة فوق هذه السعادة. Il n'y a pas une réussite et un bonheur au-dessus de ce bonheur. اليوم الإنسان يفتخر. Aujourd'hui, l'être humain, il se vante. أنا جالست مع الأمير. Je me suis assis avec le maire. أنا جالست مع اللاعب المشهور. Je me suis assis avec le joueur très connu. أنا جالست مع أحد من الأهل المشهورين في الدنيا. Je me suis assis avec une des stars de ce bas monde. ولكن من منا نستطيع أن يصف هذه السعادة للمرأة التي أرضعت حبيبنا صلى الله عليه وسلم. Mais personne ne peut comparer ce bonheur là au bonheur de la femme qui a allaité notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nos yeux et nos cœurs, ils vont avoir, ça veut dire, cette envie et cette jalousie pour Halima Saadia jusqu'à notre mort. Allahumma anzil ala ruhiha an-nur wal khayr wal baraka. Oh Allah, descends sur sa, sur son âme la miséricorde, la, la lumière et la bénédiction. Laqad dhakara as-Suyuti fi kitabihi al-khasa'is. L'imam as-Suyuti, il a évoqué dans son livre qui s'appelle Al-Khasa'is, naqilan an Halima as-Sa'diyya radiyallahu anha, en parlant de Halima as-Sa'diyya radiyallahu anha, taqulu ummuna radiyallahu anha, il disait, c'est notre mère, qu'Allah soit satisfait d'elle, kuntu, j'étais, aj'alu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, je mettais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala thadyi al-ayman, sur mon sein droit. Fakana sallallahu alayhi wa sallam yashrab, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il buvait. وكنت احوله et je le passais الى جانب الايسر et sur le côté gauche. فكان صلى الله عليه وسلم يأبى et il refusait de boire du côté gauche. فكان صلى الله عليه وسلم يأبى et le prophète صلى الله عليه وسلم il refusait en bébé. فاستدل العلماء et les savants ils ont pris de ça واستدل الشارحون et ils ont pris de ça من هذا الحديث les gens de la loi dans ce hadith ان النبي صلى الله عليه وسلم ما شرب من جانب الايسر أنه علم أن له شريكا في الرضاعة. الله أكبر. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas bu dans le sein gauche parce qu'il savait qu'il y avait un autre enfant qui buvait dans ce sein gauche là. وهو ابن حليمة السعدية. Et pour pas voler le droit de cet enfant là qui était le fils de Halima السعدية. فنبينا صلى الله عليه وسلم. Et notre prophète صلى الله عليه وسلم. علمنا. Il nous a appris. أرشدنا. Il nous a guidé. هدانا. Il nous a donné. وهو صبي. Et il était bébé déjà. وهو ولد. Alors qu'il était enfant. وهو طفل. Alors qu'il venait de naître. حتى نحترم إخواننا. Pour qu'on ait le respect pour nos frères. لأن الله. Parce qu'Allah. يذم. Allah subhanahu wa ta'ala يَذُمُّ الَّذِي يَأْكُلْ مِنْ شَرِيكِ مِنْ نَصِيبِ أَخِيهِ. Allah subhanahu wa ta'ala il blâme celui qui mange la part de son frère. إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, beaucoup des associés, ils transgressent les uns vers les autres, c'est-à-dire ils trichent les uns sur les autres, sauf ceux qui ont cru et qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, mais vraiment ils sont peu. فَقَالَ الصَّحَابَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شِبْدَ. Les sahabas ils ont dit, oh messager d'Allah, tu es devenu âgé. فَمَاذَا أَجَابَ حَبِيبُنَا وَقُدْوَتُنَا وَنَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Qu'est-ce que notre bien-aimé, notre exemple, le prophète Mohammed sallam, il a répondu? لَوْ قِيلَ لِي. Si on m'avait dit à moi, شِبْدَ يَا شَيْخ. Tu es devenu vieux, ô cher. Je lui aurais dit, c'est ma femme qui m'a vieilli. C'est les enfants, ils m'ont vieilli. C'est les occupations qui m'ont rendu âgé. Mais qu'est-ce que notre bien-aimé Mohammed sallam l'a répondu? La sourate Houd et les autres sourates après elle, c'est elles qui m'ont fatigué et vieilli. سورة من سور القرآن هي التي شيبتني. C'est une sourate parmi les sourates du Coran qui m'a rendu âgé. ويقول العلماء أن السورة كاملة ما شيبت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن الآية شيبته. Il dit, et les savants du hadith du Coran ils disent, ce n'est pas toute la sourate qui l'a rendu âgé et vieilli, mais c'est quelques versets, un verset dans cette sourate là qui l'a vieilli.
وما هذه الآية؟ Et c'est quoi ce verset là? فاستقم كما أمر. Et reste constant comme on t'a ordonné. فاستقم كما أمر. Et reste تعب معك. Reste constant comme on t'a ordonné et ceux qui se sont repentis aussi avec toi qui restent constants. La constance est une chose importante et c'est une chose qui est demandée. Sayyidina Ali radiyallahu anhu yaqul Ali radiyallahu anhu ta'allamtu min rasulillah an nukabbir Allah wa nusabbih Allah wa nuhallil ba'da as-salat 33 marra. Il dit, j'ai appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah 33 fois après chaque prière. فما فارقت وما تركت منذ أن تعلمته. Il dit jamais je ne l'ai raté ou je ne l'ai laissé depuis le jour que je l'ai appris. فقيل له يا علي. Ils ont dit oh Ali. أنت قلت ما تركت يوما. Tu as dit que tu n'as jamais laissé ça. قال نعم. Il dit oui. قال وما حدث ذاك اليوم لما كنت في الحرب وفي المعركة. Il dit ils ont dit ce jour là où tu étais dans la guerre et dans la bataille, comment ça s'est passé? قال بالله ما تركت ولو كنت في المعركة. Il dit والله même j'étais dans la guerre je n'ai pas laissé ce ذكر là. أنا في الطائرة أنسى ربي. Il dit peut-être dans l'avion nous on oublie Allah. أنا في العطلة أنسى ربي. Peut-être quand on est en vacances on oublie Allah. أنا يوم الأحد أنسى ربي. Le dimanche jour du repos on oublie beaucoup. أنا بعد رمضان أنسى ربي. Après Ramadan on oublie Allah peut-être. لا. Il dit non. المؤمن يكون مؤمن دائما. Le croyant il doit être croyant tout le temps. فاستقم كما أمر. Reste constant comme on t'a ordonné. Il dit, ça c'est juste les paroles d'introduction, qu'on a été long, vous m'excusez. نسأل الله أن يثبت قلوبنا. كالله سبحانه وتعالى. وأن يوفقنا. آمين. وأن يجعلنا إخوة حقيقية إسلامية. آمين. هذه الأخوة المطلوب في الإسلام. أبين هذه الشيء الأخير وأختم كلامي. يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة قبل دخول الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل. أي نزعنا من قلوبهم الحسد والبغضاء والحقد. وبسبب إخراج هذه الأشياء من قلوبهم صار الأجنبي مع الأجنبي إخوانا. Allah, il dit donc cette mahabba et cet amour entre nous pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est très important. Il dit, je vais vous donner une dernière parole avant que je termine. Il dit, les gens du paradis, avant de rentrer dans le paradis, Allah il dit, nous avons retiré et arraché de leur cœur tout ce qu'il pouvait y avoir comme jalousie, comme haine, comme rancœur. Et grâce à le fait qu'Allah il a enlevé ça de leur cœur, ils sont devenus des frères alors qu'ils étaient étrangers et qu'ils ne se connaissaient pas. Et c'est pour cela que je dis tout le temps, si dans notre cœur il y a de l'animosité et de la colère, il dit même le frère il devient étranger. وإذا أخرج الغش et quand on a sorti la triche de nos cœurs يصير الأجنبي أخا l'étranger il devient frère. هذا هو الحديث هذا هو الحديث. اللهم طهر قلوبنا من النفاق آمين وأعمالنا من الرياء آمين وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة آمين. اللهم بارك لنا في شعبان آمين وبلغنا رمضان آمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران آمين. اللهم اجعلنا من عتقاء النار آمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين. واجعل آخرتنا خيرا من الأولى آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا آمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا آمين. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا آمين. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير آمين. واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى آمين. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى آمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا آمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا آمين. غير غضبان آمين. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المسلم
المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير بارك الله فيك يا الله